Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bivouac et photographie animalière. Je suis très content de vous accueillir dans cet épisode un peu spécial, dans le sens où celui-ci se déroule, et vous l'aurez vu dans le titre, dans les Vosges. Et voilà, je suis vraiment très content parce qu'aujourd'hui c'est une magnifique journée. Cette forêt a l'air d'être vraiment incroyable et il y a de la neige partout. C'est juste incroyable. Les objectifs ne changent pas forcément des autres fois. Déjà on va essayer de trouver un endroit où on va pouvoir poser nos affaires pour installer le campement. Et quand on aura trouvé cet endroit, on va ensuite essayer d'aller faire un petit peu de photos animalières. Et si on ne trouve pas d'animaux, on va juste essayer de repérer des endroits où on pourrait les observer demain. Donc voilà, allez, on est parti pour trouver un endroit où on va pouvoir installer le campement. Forcément, mais ici je suis sur une pente 45 degrés, ça se fait ressentir. Très sincèrement, c'était loin d'être la pente la plus facile à monter. Mais pour la vue que ça offre, je la ferai même une deuxième fois. Parce que je vois que des traces de chevreuil depuis le début. J'ai vu des traces de renards aussi.
ici les affaires. Et ensuite, on va aller un petit peu analyser l'endroit, la zone, pour voir où est-ce qu'on pourrait peut-être observer la faune. J'ai installé la tente, maintenant il ne reste plus qu'à me changer, à mettre des habits de camouflage et préparer tout ce qui est filet, etc. pour aller m'installer au niveau de la clairière pour faire un affût jusque ce soir. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il y aura du passage. Après je peux pas m'en assurer parce que voilà, l'hiver c'est compliqué pour voir les animaux, mais on va quand même essayer au vu des traces qu'on a vues au niveau de la clairière. Donc voilà, j'espère que ce sera possible d'observer quelque chose. Allez, let's go. Bon, je pense qu'on est paré. J'ai fait un petit peu plus de 3h30 d'affût. Malheureusement, ça n'a mené à rien. Mais voilà, c'est pas grave. Et là, on est aux alentours de midi, donc à mon avis, c'est pas maintenant que je vais les voir, dans ce genre de lieu. Et voilà, maintenant je vais aller désinstaller le campement. Je vais aller faire un petit peu de bivouac. Et on va voir si ça peut mener à quelque chose. Allez, à tout de suite.
fait un petit moment que je marche maintenant et je dois avouer que j'ai pas forcément beaucoup parlé depuis. Parce que j'étais un petit peu triste, mais à la fois extrêmement motivé. Un petit peu triste parce que je n'ai pas eu les observations que j'aurais voulu avoir. Et extrêmement motivé parce que il y a toujours de l'espoir, même jusqu'à la dernière minute. Et c'est pour ça que j'ai pas trop parlé, c'est parce que je voulais gagner le plus de temps possible pour avoir peut-être la possibilité de, voilà, d'avoir cette rencontre que j'attendais le plus au final. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de poids sur moi et que beaucoup trop d'endroits étaient inaccessibles, justement parce que j'étais pas assez libre de mes mouvements. Et donc j'ai décidé de me délester de toutes mes affaires et j'ai fait mon petit bout de chemin avec mon trépied et mon autre appareil photo pour filmer. Et voilà, j'ai été à un endroit qui était justement difficile d'accès. Et c'est en y regardant plus près en fait que juste en bas de moi, il y avait un renard qui était en train de dormir. C'était vraiment cette rencontre que j'attendais depuis le début de ce séjour. Et voilà, là je me sens vraiment mais comblé comme jamais. Je vais repartir d'ici sans avoir aucun regret, en n'ayant que de bons souvenirs avec moi, et ça c'est vraiment incroyable. Et donc voilà.